Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour du Horizon Zero Dawn sur l'extension Frozen Wild. Bien sûr, je sais pas comment on se lance. Donc on va faire continuer partie, puis on va voir. Je vais la chercher pendant 2 heures, mais je vais trouver. Hello Justix! Ah non, c'est pas du Final Fantasy. On est sur Horizon Zero Dawn, The Frozen Wild. Je viens juste de le lancer. Comment vas-tu? Ah, moi ça va. Hein. Je fais une petite pause le temps de faire le DLC de. Non, je suis au début du jeu. Oh non. Ouais, ça va prendre ça. Celle-là. Bien sûr, j'ai une mauvaise sauvegarde. Ah ben non, c'est pas drôle ça. Non, ça doit pas être. Mais j'ai foutu quoi avec mes sauvegardes? Ah, je préfère. Merde, c'est pas la bonne. J'ai foutu avec ma sauvegarde. Tu sais bien qu'elle me restait ma sauvegarde de ma première partie. J'avais fait une sauvegarde manuelle, heureusement. On va s'en sortir, on va s'en sortir. T'as mis ton bonnet, Justix? Le bonnet, les boots, tout. Fait pas encore assez froid. Ah bah moi il fait froid, putain, le caille, ça je suis. Mon bonnet, des bonnes boots, une bonne écharpe et des gants. Pas rien. Le prince t'amène et sain et sauf à Méridian. Ouais non. Voilà qui prouve que les Karja de l'ombre. Je veux pas aller là-bas. Ah, va aller là. Hein, là-bas, hein. Bah bien sûr que je me TP! Ouais, des gros mechas de tire-fesses! C'est ça, on est sur, bien sur la, sur l'extension Frozen Wild. Après quelques petits plans de, quelques petites tromperies dans le chargement de la sauvegarde, comment allez-vous les garçons? Nejim est à l'Inipi.
Vous êtes arrivé juste à temps. On va s'amuser. On va s'enjoyer. Et c'est une toute petite zone au final chez les Banouk. Je m'attendais à pire quoi. Wow! Oh merde, je suis allée pas assez loin. Oh merde. T'es où mon poney? Il est où le poney? Elle est là. Hein? Magicantus! Du coup, il y a du changement dans le planning du stream. Mais ça reste à peu près la même chose. Sauf que c'est pas 15h45 la fin. Bonjour! Imhotep et la famille Imhotep. Faut que j'aille en haut. Oh. Bonjour. Non, c'est bon. Laisse-moi passer. C'est un peu fort. Descends. Bon bah voilà, hein. Manière de descendre. Radical. Oh. Pourquoi je suis pas allée pas au bon endroit? Enfin, je passe. Ah non! Oh non, faut passer par la cette putain de nécropole de merde là. Cours à l'œil, on s'en fout. Cours pour ta vie. Donc en fait c'est derrière la nécro. Ouais. Je crains plus rien, pour l'instant du moins. Ouais, tu crains plus rien, tu crains plus rien. C'est vite dit. Cours, allez, cours, pour ta vie. Non mais franchement, moi l'extension, elle me bottait bien, hein, franchement, dès le début, mais. Je recommencerais bien, si c'était pas si fatigant de remonter là-haut. Bah il faut remonter. Des signes Banouk. Attends, sauvegarde quand même, hein. Je te laisserai parler après. Territoire serait dans cette direction. Allez, monte. M'en fous, j'ai tué Anubis, c'est grand comme un. Y'avait Danny Jackson avec toi pour te tuer ou pas? On voit bien que c'est les symboles. Voilà. Bienvenue chez les Banouk. Effectivement, on voit bien que la tenue, elle est très enneigée quand même. Il ne semble pas connaître ce sentier, j'ai déjà trop de choses. Ouais, c'est pas vrai ça. On sait jamais. Bonjour. Tu as l'air à l'écart de... Tout. Où mène ce chemin? Pour moi, il mène au sud, loin du peuple Banouk, près de la nécropole. Banoukaï veille sur moi. C'est le moyen le plus rapide de quitter la plaie, au lieu de retraverser tout le territoire au Céram. Tu peux me croire, c'est mieux de quitter la plaie en vitesse. Je suis même pas encore arrivée. Pourquoi je voudrais partir? D'étranges machines violentes? Un sort sur la montagne? C'est suffisant pour que Méridian me fasse envie.
Non, tout seul, O'Neill serait fier de moi, en deux trailles, quand tu m'étonnes. Tu vas à Méridian? Oui. On m'a nommé émissaire à la cour du roi Karja. Personne d'autre n'a accepté. Mais ça ira. Je leur présente les champs de Banour et les Karja dessinent leurs petits glyphes. Je parle des machines de plus en plus féroces et le roi propose son aide en sachant que les Banouk ne l'accepteront pas. Normalement, je les ai récupérés. Hello, Yoel! Quel genre d'endroit est la plaie? C'est en bordure de tout le reste. En bordure de Banour, en bordure des montagnes, en bordure des territoires autochtones. Elle a subi la guerre avec les Karja. Mais aussi avant ça... Normalement, j'ai tout récupéré. C'est comme un test. Tenir bon à la bordure. Ce n'est pas un nid douillet. Je comprends ce qui te pousse à partir. Le nid, c'est ce qu'on transporte sur son dos. Quel genre d'étrange machine? Et quel genre de mauvais sort? On parle de machines plus folles et plus féroces que toutes celles du sud. Et de la fumée s'élève des montagnes comme d'un bûcher funéraire. Mais je le répète... Je ne fais que passer. Bon, merci de m'avoir prévenu. Mais je suis curieuse à propos de ces machines. Tant pis pour ma mise en garde. Je comprends, tous les aventuriers font pareil. Bonne chance. M'en fous, je vais quand même y aller. Alors, attends, je suis arrivée par là. Donc, il faut que je passe par là. Qu'est-ce que tu fabriques, Aloy? Ce sentier conduit à la plaie. T'es pas mort, toi! Nous n'avons rien d'autre à offrir que du mysticisme de bas étage. L'éclipse ne va pas rester à rien faire pendant que tu batifoles dans la neige. Remets-toi au travail. C'est drôle que tu me surveilles toujours. Je croyais que t'avais tourné la page. Tu m'excuseras de me sentir concerné par le destin du monde. Je réfléchissais. Les chamans Banouk s'enroulent dans du câble de couleur bleue, non? Ça nous rappelle quelqu'un d'autre, non? Alors peut-être que tu veux que je me tienne à l'écart des Banouk, pour ne pas fouiller dans ton passé. Ce n'est pas mon passé qui m'intéresse, Aloy, c'est l'avenir, ou son absence potentielle. C'est pourquoi tu devrais arrêter de jacasser et en revenir aux choses sérieuses. Mais comme toujours, tu n'en feras qu'à ta tête. Susceptible. Il n'est pas mort, lui. Me faisait une joie de vouloir le tuer. Eh ben, en fait, justement, je ne sais pas. Je ne sais pas. On est sur le DLC, en fait. Donc, il faut que j'aille là. Moi, chez les Banouk. Enfin, les Banouk, à côté de la map. Voilà, quoi. Hein, je suis censée aller au Palais du Soleil. Donc, en fait, on est avant d'affronter Hadès sur ma partie, mais... Ouais, si tu veux... Il faut que je me rappelle juste comment on tire, c'est tout. Là. 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 En haut. Oh, une aurore boréale. C'est magnifique, ma chérie. C'est déjà plein. Ouais, mais pas beaucoup. Ah, parce que... C'est un nouveau prédateur. Je vois la chaleur émanée. Ouh! Ça commence! Oh là là.
pas des flèches extra. Prise de choc. On va jouer. T'es où? Ah, t'es là. Tu es devant. Bah, bien sûr, avec l'armure antique. Hein. Allez, mais bouge. Ok, alors on va la jouer. Ah, peut-être là. C'est bon là ou je te fais une autre démonstration? Grilleuse démoniaque. Je dois poser quelque chose. On va voir mon inventaire. Parce que j'ai peut-être... Beaucoup? Non. Non, c'est que j'ai des chutes des fois de coup. Un petit peu là. Ok. Où ça, ça me plaît. Ça, c'est demandé dans la suite. Donc, j'ai dit que je voulais voir mon inventaire. Ah, on passe quand même à 120%. Oui, ils ont rajouté des skills. Mais ils étaient déjà dans la nouvelle partie. Quoi? Silent ne veut pas qu'on mette le nez dans ses affaires, on dirait bien. Elle s'entraîne pour monter. Ouais, je m'entraîne pour Monster. Non. J'ai pas besoin de m'entraîner pour Monster Hunter. Oh. Donc je suis arrivée par là. Voilà. Donc en fait, dans cette DLC peut être fait avant. Je vais mettre niveau 30. Donc, Et sur Monster Hunter, je ne joue pas à l'arc. C'est un accueil comme un autre. Ah, le focus. Ouais, ok.
Dans un mois, ouais, d'accord. Vous êtes arrivée à la plaie, étrangère. Vous n'y resterez pas. Pourquoi ? Pourquoi je ne reste pas ? De la fumée s'échappe de la montagne. Et du village aussi. Mais pourquoi ? Quel village ? T'as vu un village, toi ? Je crois que ce qui s'échappe de la montagne, ça s'appelle un volcan à l'œil, hein ? Non, non, on peut pas leur taper dessus ! Ils sont plus grands que les miens. Mais c'est tout beau ! C'est magnifique, mon chéri. Une petite photo ? C'est toujours beau. Bon, tu prends la photo, toi ? Voilà. Notre chaman nous a abandonnés. Notre chef de clan a mené les meilleurs d'entre nous à la mort. Où trouverons-nous l'espoir ? Les jeunes chasseurs ne sont essentiels. Comment faire confiance au chef quand tant de chasseurs sont morts sous ses ordres ? Ah, c'est vrai que Saïdan, il a les mêmes trucs. Être Banouk, c'est pas un Banouk. La mort peut survenir à tout le monde. Nos chasseurs le savent. Ah, pour faire un petit topo, le Frozen Break est sorti hier. Il doit y avoir un événement. Avec tous ces habitants qui se dirigent vers la fumée. Est-ce qu'il oserait ? Pas, hein. Oui, je pourrais, ouais. Ce jeu, ouais. C'est si j'ai envie, surtout. Tu n'as pas dû voir ça souvent, Laura. Burgren, fournisseur de matériel. Généralement, les Banouk brûlent leur mort. Pas aujourd'hui. Ils n'ont pas pu récupérer les corps. Ouais, une sale histoire. Leur meilleur guerrier. Il leur offre des funérailles dans le champ. Votre peine, mes chasseurs. Tu es là. Nos proches ont trouvé le destin auquel tout Banouk aspire. Tomber la lance plantée dans l'acier. Leur combat est terminé. Vous avez vu comme moi leur esprit s'élever dans le ciel et plus haut vers la lumière. Mais notre combat commence à peine. Bientôt, nous reprendrons la chasse contre le Daemon
qui rend les machines folles de rage. Je vous le demande. Aurez-vous le courage de vos chers disparus? Pourrez-vous combattre et mourir aussi dignement? Les machines. Des machines ont tué les meilleurs d'entre eux. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Retourner là-haut. Idiot. Tu veux un conseil? Entre nous. Aloy. Ça fait déjà deux longs hivers que je suis là. Et je n'arrive toujours pas à comprendre les Banouk. Tu vois cette pagaille? Tout a commencé quand l'un de leurs chamans, Ouréa, s'est mis à parler partout d'esprits et de démons au sommet du fût du tonnerre. Ils ont envoyé leur Vérac là-haut. Et la moitié se sont fait tuer par des machines. Quand Ouréa a disparu, je pensais que cette folie avait disparu aussi. Mais non. Voilà le grand Aratak qui les prépare pour retourner au sommet. Alors, je fais une petite pause là pour expliquer un truc. Je suis sûre que Silent c'est un Banouk. Là, je suis sûre, même certaine que c'est un Banouk. Parce que les Banouk, ils ont des sortes de câbles qui sortent du corps et qui sont bleus. Et Silent en a plein. Donc je suppose que Silent va être un vrai casse-couille encore en cette partie-là. Mais bon, que voulez-vous? Ensuite, oui, c'est classe. Alors, je voudrais revenir sur un autre sujet. Bien tendancieux, bien méchant, bien tout le temps toi. Square Enix a sorti il y a quelques temps des DLC de FF15. Bon, avec les Season Pass, ils sont gratos. Ok. Mais voyons voir si Horizon fait plus longtemps en termes de temps sur les DLC. Sachant que les DLC de FF15 durent entre 1h30 et 2h. On verra si on aura fini ce soir. Qu'est-ce que tu ne comprends pas chez les Banouk? Tout est une épreuve pour eux. Un obstacle à surmonter, un défi à relever. Ils n'ont pas l'air d'avoir trop le choix, vu l'endroit. Oui, un froid tellement fort qu'il gèle les dents. Des animaux sauvages partout. Ils pourraient accepter un peu d'aide à prix raisonnable, non? Crois-moi, j'ai essayé de les convaincre. Mais un Banouk qui n'a plus rien à prouver se laissera plutôt mourir. Voilà, entre 1h et 2h. Et c'est Ouréa qui a parlé de ce Diamond? C'est ça. Donc on va voir. Elle a dit à Aratak et aux autres qu'il vivait en haut du fût du tonnerre. Et ils l'ont cru. Mais toi non. Écoute, je ne sais pas ce qu'Ouréa a trouvé là-haut. Un chaman ne parle pas à un étranger. Les machines de la plaie sont de plus en plus agressives. C'est un fait. C'est peut-être à cause d'un Diamond. Ou peut-être qu'elles ont toutes une indigestion. Qu'est-ce que j'en sais? Mais Ouréa n'est plus là pour l'expliquer. Elle est partie. Personne ne sait pourquoi. Moi, je les ai eus avec les Season Pass, hein, donc du coup, je peux pas vous dire le prix qu'ils font les deux DLC. Et là, je vais vous le dire sincèrement, le DLC de Frozen Wild, il est pour les non-PSN Plus qu'il avait précommandé, il a 20€, et je l'ai payé que 15, enfin 14,99€, parce que je l'avais pris quoi. Tu as entendu parler d'un certain Silence? Grand, trop sérieux, des câbles partout, comme un chaman. J'ai entendu ce nom une ou deux fois. Toujours à mi-voix, comme un croque-mitaine que les Banouk veulent oublier. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il a fait quelque chose au conclave. Ou peut-être l'inverse. Le conclave? Les chamans les plus importants se rassemblent à Banouk de temps en temps, pour se tenir au courant de toutes les dernières nouvelles. Ne me demande pas comment ils font pour tous tenir dans la même tente sans que leurs énormes coiffes s'en mêlent les unes dans les autres. Ouréa y est déjà allée. Mais quand je lui ai demandé des détails, elle m'a lancé un regard noir. Si tu veux en savoir plus, mieux vaut lui parler. Et l'amadouer, d'abord. Bonne chance. Horizon, je l'ai platiné en moins de 60 heures. Cet Aratak est un guerrier renommé? C'est un chef Vérac.
sa voix impose un profond respect. Mais on ne l'entend pas souvent. Ce bonhomme parle autant qu'une truite morte. Mais quand Ouréa et lui sont arrivés avec leur Vérac, ils ont attiré plus de Banouk que je n'en avais jamais vu. Et tu sais ce que j'ai vu d'autre ? Ma propre route commerciale se prolongeant jusqu'à la Roquette. Et puis, il a choisi d'emmener tout le monde mourir entre les griffes des machines en colère. J'ai perdu mes meilleurs clients. Ah, mais après, c'est un jeu qui est plus ou moins long. Après, oui. Mais... C'est quoi ces Vérac ou juste Burgrend ? Un genre de tribu dans la tribu ? Ce n'est pas comme les clans de mon peuple. On n'en fait pas partie dès la naissance. Il y a des épreuves. Si tu prouves que tu es la meilleure, tu gagneras peut-être ta place. Certains Vérac sont temporaires. D'autres sont aussi durables que le métal. Tout le territoire Banouk, Banour, regroupe juste les plus grands et les plus anciens Vérac. Je sais pas trop si c'est plus clair ou plus confus. Bon, une chose est sûre. Chaque Vérac a un chef de clan et un chaman. Ensemble, ils prennent les décisions. Tout irait bien si les chefs n'étaient pas aussi têtus et les chamans perchés dans les nuages. Alors, pour en revenir avec ce que dit Monsieur Nuji à propos des pyramides, enfin de Assassin's Creed Origin, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est Origin, enfin. Horizon, j'étais en train de regarder vite fait derrière la boîte pendant ce que disait Durand. Ils ont mis 4 ans pour faire Horizon Zero Dawn, tandis que FF15, ils ont mis 10 ans pour faire le jeu. Et j'ai eu plus de plaisir à faire Horizon Zero Dawn, même si voilà, il est un peu plus court que FF15 en termes de platine. Mais j'ai pris plus de plaisir à faire Horizon qu'à faire Final Fantasy XV. On peut pas comparer les deux, c'est pas possible. Mais déjà, j'ai trouvé ça plutôt sympa qu'en moins de 6 mois, ils aient quasiment développé un DLC, on va dire, complet. Enfin, plus ou moins complet, il y a une histoire qui tient la route, tandis que sur FF15, Pruntal et Tête de Glaçon Gladio, voilà. Et vous avez parlé aussi de Monster Hunter, il y a possibilité que je fasse la bêta, que je stream la bêta, mais après ça reste à voir prochainement comment ça va se décanter avec certaines personnes. Tu dis que tu vis ici depuis 2 hivers ? Oui. Chez moi, des marchands de fourrure m'avaient parlé de cette amas de vieilles tentes isolées. Un bon endroit, prêt à changer. On survivait à peine jusqu'à ce que les Banouk affluent pour Ouréa. Un grand prophète arrive, qu'il disait. J'ai vu la fortune. Mais j'avais tort. C'est pas que les Banouk sont pingres, mais ils préfèrent commercer entre eux. Si on pouvait convaincre assez d'entre eux, le nom de ce bled apparaîtrait sur la carte. Ou du moins sur une carte. Je crois qu'en fait, il a un problème avec ses mains. Je crois qu'il a des gens lourds au bout des doigts, Burin. Moi et ma... mon assistante, Varga. Mon assistante et ma fille. Mais on s'entend mieux en tant que partenaire commercial. Sa mère voulait que je lui enseigne un boulot. Elle s'est mise à bricoler des armes. Oh, quand on aura assez de ces petites histoires de Banouk, va-t-on la voir. Vous êtes... comment dit-on déjà ? Des femmes ? Non, indépendante. Tu la trouveras à Lantai, le camp Banouk tout à l'est. Ok. Je veux en savoir plus sur ce Daemon. C'est les Fades à l'œil. Ou c'est plus compliqué, en lien avec le comportement des machines. Bon, tu vas devoir trouver Ouréa. On l'a vu partir vers les montagnes qu'ils appellent les aiguilles de glace. On dit que seuls les chamans connaissent la piste qui traverse ces pics glacés. Mais je sais où tu pourras trouver son apprenti, Naltouk. Il est parti chasser des rumeurs, loin au nord d'ici. Des rumeurs ? Et pas des bonnes. Des attaques soudaines dans la neige, d'étranges structures. On parle même d'une machine... d'un genre jamais vu encore. Tu m'as totalement convaincu. Merci pour tout, Burgrend. Y'a pas de quoi. Je me demande si Aratak pourra m'en dire plus sur Ouréa ou le puits du tonnerre. Ça vaut le coup d'essayer.
Ah, ok. Moi, je peux parler à Ratak. Ok. Ah. Non, je suis pas une Océram. Je suis une Nora. Raconte pas de conneries, toi. Bah oui, alors. Raconte pas de crack, hein. Ah oui, effectivement. Non. La voix des chamans. Voilà. Voilà. La peur laissera place à la détermination. Donc là, je vais vous parler. Je ne veux plus jamais vous entendre parler de ça. Le doute pèse plus lourd que la neige. Mes excuses, chef. Nous serons prêts au prochain essai. Ça ne sera pas qu'un essai. Il faut réussir. C'est bien compris? Certainement. Bien. Étrangère, je suppose que tu veux parler. Bon, je vais y aller, alors. C'est tout ce que tu voulais? Me saluer? Mais oui. Bien. Je préfère les actes aux mots. Bien sûr. Mais non, c'est qu'en fait, je me suis pas bien mise en... Je dois m'occuper de mes chasseurs. Voilà. Je me suis pas bien en face de lui. Vous regardez bizarrement. Léa connaît ce Daemon. Où je peux la trouver? Elle fait son office de chaman. Son œuvre n'est pas destinée à être vue. Surtout par une étrangère. Ouais, le Daemon. Ce Daemon dont tu m'as parlé. Si tu es assez robuste, tu peux aller voir les signes par toi-même. Il a changé les machines. Elles sont plus féroces, plus fortes. Mais qu'est-ce que c'est? C'est au chaman de le découvrir. Ton Vérac vient d'ici? Non, nous avons rallié la plupart de nos chasseurs à Banur, afin d'affronter le Daemon. Mais je suis né ici, et je suis resté combattre les Karja quand d'autres ont fui dans les montagnes. Une poignée de mes guerriers m'ont suivi, ceux qui ont survécu. Tu comptes retourner à la montagne? J'ai donné ma parole. Malgré les dangers qui vous attendent? Mais quel danger? La mort? Il serait bien pire de courber l'échine face au défi et de dire « j'abandonne ». Il y a d'autres Vérac à la cime du champ? Oui. Le village a une vie propre pour ceux qui veulent commercer ou s'abriter. Après la fin de la guerre, elle est née de ce qui n'était alors qu'un campement, aussi vite que la fleur entre deux gènes. Elle durera peut-être, jusqu'à ce que les Karja cherchent encore la guerre. Karja, ils cherchent la guerre. Bon, je saurai rien de plus. À ta survie. Il y a une quête là-bas. L'autre, il est où? En bas. J'ai récupéré la quête. Salut. Tu as l'air triste, étrangère. Tu parlais d'une inondation? Oui. Un flot soudain, sans pluie ni dégel pour l'annoncer. Je suis Lolaï, percussionniste du Rafu. Ou je l'étais, avant que les eaux ne l'engloutissent. Le Rafu? C'est quoi? Une alcôve, sculptée par les anciens. Une chambre, un bassin et un instrument de musique tout à la fois. Ma vie, ma vocation. Je te l'expliquerai en jouant un air, mais tous les conduits sont engloutis sous l'eau. Alors, le Rafu est un endroit et un instrument de musique? Oui. Des conduits qui émettent une note parfaite sous un bassin qui l'amplifie. Un merveilleux édifice dont se servaient les anciens pour porter la musique au loin. Pendant la guerre, mon père faisait sonner les conduits pour rallier les Banouk contre les Karja. C'est mon rôle maintenant. Mais nos batailles se sont faites extrêmement rares. Je joue le plus souvent pour le plaisir, ou en souvenir de ma famille. Bien sûr, si les eaux ne baissent pas, à quoi servent le plaisir et les souvenirs? Les eaux sont montées d'un coup. Avant, tout était sec. Du jour au lendemain, la rivière voisine a quitté son lit et inondé le bassin. Je ne comprends pas. Il n'y a pas eu de pluie, pas le moindre nuage. Pourtant, je n'avais jamais vu la rivière monter aussi haut. Depuis, ça ne bouge plus. Une crue sans pluie? C'est étrange. Où est-ce que c'est? J'irai voir si je passe dans le coin. Au nord-ouest d'ici.
Comme vous voudrez. Mais ça n'arrangera pas grand-chose. La crue ne va pas redescendre comme ça. Comment demander à une rivière de se calmer? T'inquiète, je gère. On va faire sa quête secondaire. Ah, il y a une autre quête. Leur réduit au silence par les autres. Ouais, on va passer par là. Je veux comprendre comment ce Daemon influence les machines. Je dois trouver Urea. Et pour ça, je dois trouver son apprenti en suivant la rivière vers le nord. Étranger, attendez, juste une minute. Ouais, j'arrive, attends deux secondes. Oh. Maîtresses vont être trempées. Para. L'arme que tu portes, étrangère, cette lance. Je vois la lumière bleue autour d'elle. Ça? C'est une de mes connaissances qui l'a faite. Ah, un chaman. Non. Juste du bricolage. Les bricoleurs n'entendent rien à l'étincelle dans le métal, au chant qui résonne dans la matière. Mais on pourrait l'améliorer, la modifier avec l'aide des anciens. Loin d'ici, au nord, il y a une grotte qui s'enfonce dans la neige. Et dedans, un nid d'oiseaux métallique. Trouve un volatile que les chamans d'antan n'ont pas dépouillé. Tu trouveras un rail, dedans, long comme ta lance. C'est tout ce que je peux te dire. Un rail sur des oiseaux métalliques dans une grotte. Une journée comme les autres, quoi. Ouais, allez, on va faire aussi sa quête à lui. Mais je sais pas par où on peut commencer, hein. Ouais, on va faire la pièce d'oreille. C'est pour améliorer mon arme, autant le faire. Ah! Je suis là, Burico. T'es où? Viens là. Grave bête. Je sais pas si on peut pirater, s'il y a des nouveaux trucs. Enfin, j'ai pas regardé s'il y avait des nouveaux creusés, des trucs comme ça. La sirène a dit que l'apprenti d'Urea était parti au nord de la rivière. Mais non, mais je. Mais non, attends. Je vais d'abord remonter mon arme. Ça doit être Maltok qui regarde cette tour. On dirait qu'il émet une sorte de. C'est quoi ça? On dirait qu'il y a un creuset dans le coin. Ça sent le creuset. Je sais pas, on dirait qu'il y a un creuset, je sais pas pourquoi. Oh, doucement, doucement. Allez, grimpe, allez. Là, c'est sûrement de là que vient l'eau. On dirait que ça date des anciens. Donc sans faire exprès, j'ai avancé la quête de l'inondation. C'est un avantage. Oh, Pumba! Non, c'est du sanglier. Toutes les rivières sont gelées. J'y étais presque.
On n'a pas dit que la discrétion était plus fort. Hein. Si on a dit que la discrétion était plus fort, non. Non, non. Oh, y a une quête dedans, quoi. Ah, mais y a des quêtes partout! Le roc du héros. Oh, ça, je les connais, ceux-là. Attends. Attends, bouge pas. Oui, je connais. Allez, avance. Je voulais pas sauter. Je voulais pas sauter. Je voulais juste visualiser ce qu'il y avait en bas. Ça sent pas bon, ça pue le tracker. Sauf que ça sent pas bon, il y a des trackers. Je ne suis peut-être pas toute seule. Endommagé. Les Banouk ont déjà dû passer par là. Plus de place. Non, si j'avais déjà tout mon sac de potions. Ah, il y a moi celui-là. Peut-il voir quelque chose? On lui a arraché une pièce. Je pourrais peut-être trouver une autre de ces machines volantes. Allez, on continue.
Oh bah oui. Ah bah vas-y. On va se promener. Il y a une pièce là-haut. Une petite sculpture d'un animal étrange. Oh, va pas me dire qu'elles ont tout foutu dans... sur la carte. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. Sois gentil. Je peux pas y aller. Je me demande si mon focus verrait quelque chose. Un truc là. Si je pouvais déplacer un peu cette machine volante. Pas besoin. Un peu de grimpette. On descend. Je pourrais balayer la zone avec mon focus. Descends. Aloy, descends. Voilà. J'ai plus qu'à monter. Oh, quand j'ai encore joué avec ça. Si ces abrutis de techniciens croient que je vais les laisser se balader ici et trafiquer le programme des drones, ils ont largement sous-estimé ma fibre professionnelle. Je vais réinitialiser cet holo-verrou. Echo Sierra Echo. Mon focus trouvera peut-être. Echo, Sierra, Echo. Ah oui, ok. Sierra Echo. Mon focus pourrait voir quelque chose. Oui, bah 2 secondes 30. Ok, porte. Bah, t'es accroupi. En bas. Il y a un truc de l'autre côté. Ok, il y a encore un rapport sur le côté, en bas. Oh, oh, oh. Allez, hop. J'ai pas demandé des caméras volantes. J'ai besoin de sécurité, pas de surveillance. La sécurité passe par les armes. Que le ciel m'en soit témoin. Je refuse d'être surpris à me toucher la nouille quand des terroristes viendront profaner ces locaux. Me toucher la nouille, il a vraiment utilisé, et vous avez bien entendu, me toucher la nouille. Mon focus verra peut-être quelque chose. Il y a rien, oh. Cette machine depuis qu'elle est enfermée là.
Ça pue! Je devrais examiner les lieux avec mon focus. Rail de montage, c'est ça qu'il me faut. Ça devrait pas être dur à retirer. Je montrerai ça au chaman quand je reviendrai à la cime du champ. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Parce que... Tiens, je m'en doutais. J'avais pas dit qu'il y avait une connerie comme ça, là. Non, mais t'as cru quoi, toi? Comment tu t'appelles, toi? Ah ouais. Ah, démoniaque. Oh. C'est pas corrompu, c'est démoniaque. Non, c'est pas corrompu, c'est démoniaque. Bon, ça change, hein. Je l'avais pas dit qu'il y avait une connerie comme ça? Si, si, je crois. Allez, va-t'en haut. Alors, pendant que j'y suis, avant de retourner là-bas... Non. Ouais, c'est ça. C'est ça que je voulais faire aussi. C'est sur ma route, ça tombe bien. Ça pue! Quelle bonne odeur! Ouais. C'est qui me tire dessus? Arrête-toi. Allez, avance, c'est pas grave. Oh, il y a encore une quête. Oh. Mais il y a des quêtes partout! Grosse. Tout à l'heure, réparer, c'est trop bien.
Eh, l'œil, regarde pas en l'air. Hein. C'est en bas. Ouais, il est sympa. Hein. C'est un barrage, quoi. Faut toutes les peines. Mais, j'ai jamais dit que je faisais des trucs super chauds. Hein. Avait très envie d'entrer. Il a pratiquement tout fait sauter pour passer cette porte. On va aller voir ce qu'il y a. Ah, le focus est un peu changé par rapport à... Un peu changé par rapport à la version... Un petit peu. Inondation détectée, évacuation recommandée. Bassin débordant compromis. Le bassin débordant, ce serait le raffut. On dirait une salle des commandes. Qu'est-ce qui a pu causer l'arrivée de l'eau ? Il y a un bonhomme. Ah bah il fait froid, oui. Pour ça je vous ai dit, emmenez vos bonnets, vos écharpes et vos moonboots. Hein. Je vous ai prévenu. Hein. Je devrais regarder ce que va mon focus. Tour de prise d'eau défectueuse. Système de drainage hors ligne. Tu sais que t'es en train de le lire à l'envers. Sans doute pas une bonne nouvelle. Il y en a 5. Le code de verrouillage. Pratique. Ouais, sauf que... Il manque une batterie, pas qu'une. Ah 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 ah! On dirait qu'une grande partie de l'édifice a été engloutie. Comment c'est arrivé? Je devrais pouvoir désactiver cet endroit d'ici. Oh, quelqu'un a tout bousillé. Si j'avais les bonnes pièces, je pourrais probablement le réparer. Ok. Mon focus verra peut-être ce que j'ai raté. Bah attends, on va voir. Et voilà notre vandale. Il a l'air moins doué pour sortir que pour entrer. Cet océram a dû passer ici en fait. Pas bien fait pour toi. Thank you.
est-ce que ça va? Tu n'imagines pas à quel point tu me rends heureux. À un moment, j'ai cru que mon feu était éteint. La forge refroidit. Mais non, non. Ah, ce vieux guidoun. De rien. Il avait pas remercié. D'accord, de rien. Bon, reprends depuis le début. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Toutes mes excuses. Quand on se parle seulement à soi-même, l'ordre des phrases n'a pas tellement d'importance. Il y a un artefact dans cette salle de stockage qui me... Absolument. Mais comme tu peux le constater, la porte ne bouge pas. J'ai pris un de ces machins ronds qui se trouve sur le mur à côté de la porte, mais rien. Alors j'ai tripoté ce panneau avec le bouton. Et toujours rien, mais mes essais précautionneux ont provoqué une... Alors j'ai appuyé sur le bouton, peut-être avec un peu trop d'enthousiasme, mais ça a fait des étincelles. Évidemment, je suis venu ici explorer, mais... mes pas prudents ont pu contribuer légèrement à l'effondrement du pont. Quand le pont a commencé à tomber, j'ai peut-être balancé, sous le coup de la précipitation, le mystérieux machin rond dans la flotte. Le temps que j'envisage de laisser tomber, la porte s'était fermée derrière moi. Et voilà comment nous en sommes venus à cet instant. Ouais. Tu as parlé d'un artefact? C'est vrai. Cette salle de stockage déborde. Oui, il y a pas un trésor des anciens, mais j'en guette un en particulier. Un miroir. Ouvragé. Je n'en avais vu qu'un seul comme ça. Ma belle-mère me l'avait rapporté de là où elle était ce jour-là. Je me revois le tenir et regarder dedans. Bah, mon visage et ma mère au-dessus de mon épaule qui se prend. Et dans la salle de stockage, il y aurait un miroir de ce genre? Oh, oui, j'en suis sûr. J'ai regardé dans cette petite salle sombre et je l'ai vu. J'en cherchais un depuis si longtemps. Oui, cette fois, je l'ai trouvé. Ah, non, en fait, t'as fait le compte, t'as tout pété, quoi. On ne pourra jamais entrer dans la salle de stockage sans un anneau. Ça fait partie du mécanisme de verrouillage de la porte. Eh bien, c'est une super nouvelle. Excellente même. Tu as deux mains et j'ai deux mains. C'est parfait. Ma sauveuse, ma rédemptrice. Et si tu veux, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que tu veux, mon acolyte. À nous deux, cet anneau sera à nous. Et ensuite, la salle de stockage. Et son putain... Je croyais que tu avais lancé l'anneau dans l'eau. Non. Je te l'accorde, ça ajoute un niveau de difficulté non négligeable à la procédure. Tu as trouvé le bouton qui contrôle le flux de l'eau? Par inadvertance. Puis tu as cassé ce bouton. Toujours par inadvertance. Ce panneau est le seul moyen de désactiver cet endroit, de ce que je vois. Ça va pas être simple. Cette salle de stockage est remplie du sol au plafond. Ça t'étonnerait d'y trouver les pièces qu'il te faut? Parce que moi, non. Bon. Je veux pas être son acolyte. Je veux que c'est un gros boulet. Réparer le panneau et tout couper. Je pourrais enfin mettre la main sur ce fichu. Ok, Gildoun. Comment on va trouver l'anneau? Je t'ai déjà dit, deux paires de mains, Miss. Deux paires de mains. Derrière nous se trouvent deux énormes portes, mais je crois bien qu'elles doivent être actionnées ensemble. À deux, on peut évacuer toute l'eau. Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. C'est ce que j'allais dire. Il va me laisser faire tout le boulot. Il y a trop de courant. Impossible de nager. Là-haut, Miss. Tu vois la valve? On va devoir se servir de nos mains. Je vais m'occuper de celle-là. Il y a une deuxième valve en face qui sert à verrouiller la porte. On va bien passer de l'autre côté pour s'en charger. Je peux aller là.
Y a rien. Pose toujours quelques doutes, tu m'intéresses. Un tube rempli d'eau stagnante. Charmant. Oh, arrête de te plaindre, Miss Alloy. Autant de blanc pas eu. Voilà, je devrais pouvoir abaisser la porte. C'est dans la poche. Bon, j'abaisserai la porte, tu devras racheter la balle à nouveau. Bon, on déroule sur ma chambre. Voilà. On descend l'échelle. L'échelle, c'est une chose rare et précieuse. Tu peux compter dessus pour te hisser exactement où tu veux. Et surtout pas plus loin. Je parie que les valves de la deuxième porte. Je vais fouiller dans le coin. Je trouverai peut-être quelque chose. Joli show. Joli. Qu'est-ce que je raconte, c'était extraordinaire. Ouais, tais-toi, Gildon, que ce jour tu m'intéresses déjà. Oh, putain, ça va être sympa. Merci, je suppose. Voilà. Je suis obligée de le faire là, je veux pas qu'il m'aide, mais je suis pas son acolyte. Hein. Voilà, de toute façon, tu vas être seulement. Ça devrait être aussi facile que de tomber dans un trou. Tu veux bien actionner la valve de l'autre côté. Si c'est arrangé de la même façon que de l'autre côté, je devrais chercher un tunnel d'accès. Ouais, attends, va trop bien. Ça, ça c'est mon genre de fou. Un millier de petits problèmes à résoudre. Non, je vous rassure, j'ai aucun sens d'orientation. C'est quoi là-bas? Gildoun. C'est trop sale, je suis d'accord avec toi, passe toujours. Et tu... Marche pas ! Ce truc est trop lourd ! Regarde derrière moi, tu vois bien ? Tu vois quelque chose de gros et de... caché ? Blablabla, oui c'est ça.
C'est en haut. Je dirais qu'une partie du contrepoids est cassée. Si je peux l'atteindre, mon poids suffira peut-être à le débloquer. Ah, j'ai une idée. Accroche-toi, ok? C'est un plan. Il faut que j'aille plus haut. Peut-être en grimpant sur les débris. C'est plus ou moins ce que je ferais. Là. Non, l'autre côté. Oui, blablabla, Gildun, tu m'intéresses. Oui, c'est ça, exactement. Impossible de sauter vers le contrepoids d'où je suis. Je pourrais grimper plus haut, passer au-dessus. Ça. On descend. Oh purée. La chute était pas contrôlée, comment? Faut que je remonte, non! J'étais pas loin en plus! Ah non, mais non! Mais... Bon. On est trop fort. On peut pas le remonter. Oh! Ah. Moins rafraîchissant que ça en a l'air. Ouais, bah, on tombe, il gêne. C'est malin, oui, c'est malin. C'est charmant. Oh, il neige, il neige. Hey, ma belle armure.
mort. Formidable. Donc, l'anneau... Cette chose avait avalé l'anneau. La perspicacité du vieux Gildoun a encore frappé. Elle ne m'a jamais... Le vieux Gildoun. Bien sûr, elle emprunte parfois des sentiers tortueux, mais... Peu importe, à la salle de stockage. Oh putain. Pas non plus. Rappelez que les conversations ne relevant pas de la formation des serviteurs sont déconseillées. Re, j'ai pas bougé pourtant. On a évacué assez d'eau pour ce qu'on a à faire, mais... Est-ce que je peux vider tout le barrage ? Je me suis pas absentée pourtant. Enfin, pas pour le moment. Je trépigne. Ouais, si tu veux, tu trépignes. Et moi, je passe à travers le sol, le pont et par ta connerie. C'est bien. Moi, je passe à travers les machins. Ok. Si tu veux. Oh, qu'y a-t-il là-dedans ? D'autres trésors de l'ancien monde, peut-être ? Cet endroit regorge de surprises. On va y faire un tour. Je voulais pas entrer dans la salle de stockage. On a évacué assez d'eau pour ce qu'on a à faire, mais... Est-ce que je peux vider tout le barrage ? Ouais, on va voir. Des tuyaux, des valves... Je peux peut-être m'en servir pour vider le reste de l'eau. Ça fait beaucoup de valves. Je devrais consulter mon focus. Il y a peut-être quelque chose que mon focus peut voir. Très bien. Il est temps de réorienter le cours d'eau dans le bon sens. J'ai beau être amateur de mécanismes tordus, mais là, franchement... Je crois que ça dépasse largement mes compétences. T'en fais pas. Je crois que j'ai compris. Ah, la bonne nouvelle ! À chaque tâche, son outil. On ne fait pas des flèches avec des cure-dents, comme on dit chez nous. Pas piquer des hannetons, Miss. Tout en nuance, en finesse. Pas comme moi, c'est sûr. Pas ce vieux Gildoun. Oh là, t'as des sciences.
C'est très compliqué là, attendez. Ah, ok, j'ai le sens de bloc. Cette tâche vous demande une certaine patience, pas vrai? Je crois que j'ai hérité de la fébrilité de ma mère. Je suis sur la bonne voie, on dirait. Non, pas du tout. Il y a un hic. Ça fait un moment que t'es là-dessus, Miss. Je te juge pas, hein. Mais t'es arrivé de passer une demi-journée sur un casse-tête Karja. Merde. Donc si on changeait le sens. Non, je peux que aller dans ce sens-là, ça c'est bon. Ensuite. S'il va là, on peut pas. Il y a un truc qui cloche. Allez, plomberie, bonjour. Donc je sais, ça fonctionne pas. C'est pas celui-là. Donc il faut que je tourne. Ça fonctionne pas. Que ce soit que celui-là. Voilà, on se rapproche. Pas du tout. Digne du livre du professeur Layton. Sauf que je peux pas là. Un gros hic. Donc lui, il n'a pas le choix, qu'il soit comme ça. Je peux tourner? Non, lui, j'ai oublié le choix. Ok, et si je change le sens? Je suis sur la bonne voie, on dirait. Pas du tout. Le clou arrive de là. Là, j'ai pas le choix. Il y a un truc qui cloche. Ah oui, ça va pas là. Donc, on tourne encore la balle. Donc, voilà, on se rapproche. Donc ça, il va là-bas, donc on va là-bas. Ensuite, je peux le changer. J'y arrive. Thank you.
suis sur la bonne voie. Non. L'eau c'est cool, mais pas où il faut. Effectivement, l'eau c'est cool, mais pas où il faut. Voilà, on se rapproche. Ah oui, l'eau elle arrive de là. Ok. Voilà, ça devrait fonctionner. Ben voilà. Il n'est pas encore né le cache-tête qui sera de devenir fait, pas vrai? C'est ouvert. Elle a dû se bloquer à cause de l'inondation. Voilà, j'ai fait les nids. Ça va mener à l'étage inférieur. Oh là là! Bientôt j'aurai le miroir entre les mains. Comme avant, avec maman. Je trépique! Bien sûr, il n'y a pas de miroir. Hein. Fabrique avec tes mains, Miss. Bah, j'ouvre la porte. Pff. Quelle question. J'arrive pas à le croire, ça a marché. Je croyais que t'avais perdu la boule à chatouiller dans le vide comme ça. Gildoun ? Tout va bien ? J'étais sûr de l'avoir vu. Le miroir. J'étais sûr. Là, derrière la vitre. C'était. Bien sûr. Juste un reflet. Une illusion. Navré, Gildoun. Il comptait beaucoup pour toi. Oh, ben. Autant que n'importe quel autre artefact des anciens. Faut bien le dire. Ça va, je vais bien. Et puis, c'est quoi un trésor par rapport à la fouille? Après tout, c'est pour ça qu'on bosse. Non, je suis pas mort. Fouille. Enfin, si, je suis mort, mais pas qu'une fois. Et quelle fouille c'était! Ha! Par la grande forge ardente, je ne l'oublierai jamais. Allez, je...
Je crois qu'on a des réparations à faire. Je comprends pas là. Non, bon, c'est pas grave. Allez, on va réparer le panneau et désactiver cet endroit. Les batteries, c'est autre chose dans le jeu. Par la force, tu es génial. On te le dit souvent, je suis sûr que oui. J'ai entendu ça une ou deux fois. Oh, c'est qu'elle est modeste, maîtresse des arts des anciens et aussi ratisseuse de choix dans la requête. La modeste. J'ai pas fait ça toute seule, Gildun. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu retournes dans la requête? Et priver les gens de la cime du champ de l'histoire de cette rencontre? Aucune chance! Je vais rester encore un peu. Mais une histoire doit être racontée par tous ces acteurs. Viens me donner un coup de main. Bassin de débordement vide. Partie interne accessible. Dégâts des eaux minimes. Ouais, et bah... Le bassin s'est vidé aussi. Je pourrais l'examiner. Une nouvelle aventure, déjà? Ah, tu es plus courageuse que moi. Mais personne n'en doutait vraiment. Oui. Quelle heure il est? Ah oui, il va peut-être falloir que... Et puis, ouais, je m'en doutais que... Et d'après le bruit que j'entends, le Lai se trouve déjà au raffut. Donc, on va s'arrêter là. On fait juste une petite lumière. On va s'arrêter là pour le moment. On revient dans... Allez, dans 10 minutes. Je vais essayer de revenir en 10 minutes. Donc, c'était une bonne après-midi. Merci d'être passé. Je vous fais plein de bisous parce que vous êtes chouette. Et à tout à l'heure. À plus tard.